aucune envie. Aucune envie de vous montrer mes courses. Enfin, si, j'ai très envie de vous montrer mes courses, mais je préférerais me poser un peu dans le canapé. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et vu dans le titre, c'est un retour de course spécial Carrefour. Et on commence, je vais vous montrer mes achats pour toute la famille. Pour information, on est 4 à la maison. On commence cette vidéo tout de suite. Alors, je vous l'ai dit, on est 4 à la maison. Et là, le frigo était vide. Attendez, je ne vous mens pas. Je vais vous montrer maintenant. Non, je peux pas. Enfin, tu vois, c'est pas mal vide. Donc, j'ai fait des courses. Alors, pour information, hein, Bernard B, Gérard, Gaston, Lagaffe, Teresa, qui tu veux. Les courses que j'ai fait, c'est les courses à moi. C'est pas pour ton scarabée, pour ton scorpion, pour ton hamster, pour ton chinchilla. C'est mes courses à moi. Donc, les commentaires à jeu, tu vas te faire en papayouté chez les papayoutes. Ça, je le dis à chaque fois que je fais mes vidéos. Et donc, c'est parti. Et donc, pour information, oui, j'ai fait mes courses à l'arrache ce matin. Il était 7h du matin. J'avais la tête comme ça. J'étais claquée. J'en pouvais plus de ma vie. Ok, tu vois un petit peu l'idée. Alors, en premier, j'ai pris du Perrier comme ceci. J'aime bien l'eau pétillante, surtout quand il commence à faire... Ouh, la calca, alors, quand il commence à faire chaud. J'aime bien des boissons comme ça parce que ça rafraîchit bien. J'ai l'impression que ça me rafraîchit plus que les boissons classiques, surtout quand c'est bien frais. Et j'en avais marre de la Sampellegrino. J'ai pris aussi deux petits jus comme ceci, donc au total il y en a 6. Saveur tropicale comme ceci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le drive de chez Action, enfin, faire les courses au drive, je trouve ça chiant. Je trouve que le site, il est pas super bien organisé. Je trouve ça un petit peu relou, j'ai du mal à m'organiser. Je trouve ça assez chiant. Hop, je vais vous montrer les boissons. Enfin, je vais essayer de m'organiser un peu comme je peux. J'ai pris de la Crazy Tiger comme ceci, des poissons énergisantes. Et j'avais pas fait gaffe qu'il y en avait 4 packs. Enfin, je crois que j'en ai une qui se borne. Elle doit être un petit peu par là. Hop, donc une autre Crazy Tiger. Hop, ensuite j'ai pris des mouchoirs comme ceci, tout simplement parce qu'ils sont bien ceux-là. Il y en a 180 à l'intérieur. Et je sais pas si vous avez les. Comment ça s'appelle? Les grosses boîtes de chez Action. Et ben du coup, c'est bien pour la hauteur. Ça évite d'avoir à chercher dans le trou, c'est assez compliqué. Donc du coup, j'ai pris une grosse boîte comme ça. Ensuite, j'ai pris des yaourts rose et litchi. J'avais pas fait gaffe. Maminova, comme ceci. C'est une petite nouveauté. Enfin, moi, j'ai jamais testé. Dites-moi, vous, si vous avez testé. Donc des petites Maminova. Et j'ai pas fait de Poulpéo. J'ai pas fait de Poulpéo. Je sais pas s'il y a Carrefour sur Poulpéo, mais j'ai pas le réflexe. J'ai pas le réflexe Poulpéo, je suis dégoûtée. J'ai fait, hop, j'ai fait rien du tout. Genre, j'ai fait mes yaourts et j'ai fait l'emballage. Donc j'ai pris des yaourts au citron comme ceci de la marque Maminova. Également, des yaourts grecs. Alors par contre, le truc qui est pas mal, c'est qu'il y a tes favoris, tu vois, à Carrefour. Il y a des choses que tu achètes régulièrement. Donc là, du coup, j'ai fait, allons-y gaiement. Donc des yaourts grecs comme ceci pour un petit chouquette, vous savez, de ouf. Ou pas, qu'elle adore les yaourts grecs. Pour mon fils, ça y est, il est propre, mais on lui achète quand même des petits cotons comme ceci pour un petit chouquette aussi, histoire de débarbouiller le visage, débarbouiller les fesses, débarbouiller le zizi, voilà, faire une petite toilette de chat. Comme ma maman me disait. Alors, j'ai pris pas mal de gâteaux. Des dinosaures comme ceci, chocolat. Hop, des petits cœurs. Ça, c'est une tuerie, mais je sens que mon mec, il va les exploser dans le canapé ce soir. Des kangous. Pourtant, ça, c'est pour lui parce que mon mec à moi, il aime le chocolat. Il adore le chocolat. Donc, ces kangous, c'est ses gâteaux préférés. Également, des petits packs comme ceci de brownies pour la chouquette. Parce que pour le goûter, j'aime bien lui donner ce genre de choses en petits sachets individuels. Et les brownies, elle, c'est ses gâteaux préférés. J'espère que ça ne vous dérange pas que je range mes courses en même temps, vous me direz. Sans transition, des œufs comme ceci, des gros œufs de la marque Ori Carrefour, 10 œufs frais, poules élevées en plein air. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on continue dans les gâteaux. Des paquets comme ceci de mini granola. Vous avez 4 sachets à l'intérieur. J'en ai eu pour 224 €, 227 €, un dessus comme ça. Un petit pack de Mikado. Ils sont tout petits. Ils paraissent tout petits. Ouais, ils sont minuscules. Le paquet, il est petit comme ça. Il est tout petit. Donc des petits Mikado comme ceci. Des espèces de petits écoliers, mais de la marque Carrefour comme ça. Hop, des granolas comme ceci. Je me suis penché, ce serait plutôt pas mal. Ça va lui changer un petit peu. Pour les enfants, j'ai pris des pépitos. Aïe, pépitos! Des pépitos comme ceci. De la marque Lu.
Et j'allais dire c'est tout pour les gâteaux. Mais franchement, si vous regardez souvent mes retours de course, vous savez que j'achète énormément de gâteaux et de yaourts. C'est un peu mon mon péché mignon. En boisson, j'ai pris des oasis spéciales. Non, c'est quoi la chanson de Koh-Lanta? Je me souviens plus. J'ai pris des oasis comme ceci. Pomme cassis, framboise. Franchement, ceux-là, ils sont très très bons. C'est les oranges, des pizzas comme ça, j'ai pas fait gaffe. Mais il y en a trois comme ceci. C'est des pizzas congelées. Donc il faut que je me dépêche de les mettre au congélateur. Je me suis repris comme d'habitude. J'adore de ouf ces yaourts. Le matin avec un kiwi ou deux coupés, c'est excellent. C'est les perles de lait à la vanille, franchement. Ils sont excellentes. Je les préfère carrément plus que les perles de lait classiques. Franchement, ceux-là, je les kiffe. Je pourrais comme d'habitude, un gros poulet. Et boum, mon poulet, un poulet. Elle est pas trop belle. Elle est pas canon. Avec sa petite poule. Donc un petit poulet, c'est Valérie. On va l'appeler Valérie. Elle est mignonne. Donc un poulet Valérie. Enfin, c'est un peu horrible parce qu'elle est comme ça avec sa poule. Et en fait, t'as le poulet mort. Tu vois, c'est un peu dégueulasse. Valérie, t'abuses un peu quand même. Donc un petit poulet comme ceci. Fermier d'Auvergne, s'il vous plaît. Ça n'a rien à faire là. Merci. C'est le bazar. Hop, des lasagnes comme ceci, pur bœuf. Ça m'a coûté 9€. Mais je me suis dit que des fois, quand j'ai des lasagnes, je suis pas trop fan de la viande. Donc je me suis dit, on allait tester cela. Hop, des petits lasagnes. Alors, si vous voyez que les prix sont périmés, enfin que les articles sont périmés, c'est tout simplement, je vous le dis, je vous le répète à chaque fois, mais que mes retours de course ne sont pas forcément, je vous les envoie pas forcément tout de suite, mais vous pouvez trouver tous ces articles, c'est pas des trucs rares et tout. De la monocousse comme ceci, ça fait très longtemps que j'avais pas acheté de l'eau comme ça, et ce que j'aime bien avec ce format là, c'est que c'est un format à litre. Et moi, vous m'aviez dit aussi que vous étiez nombreuses dans ce cas là, c'est que quand vous avez une plus petite bouteille, vous consommez plus facilement de l'eau. Donc on est un petit peu chelou, mais c'est comme ça. Du riz basmati de la marque Toro et Lait. Franchement, celui-là, il est super bon. Autant chaud que froid, il est grave excellent. Il faut que j'arrête de bouger. Je pense que c'est super gênant que je bouge. Mais il faut que je rentre, il faut que j'aille chercher mon petit chouki dans pas longtemps. Pour les enfants, j'ai pris du jus de pomme comme ceci. Des petits berlingots, grosso modo, on va dire. Je me suis pris du vinaigre ménager. Alors ça, c'est très très bien. Si, mazette, t'as un chat qui pisse sur un vêtement, un machin, un truc, tu mets ça, tu laisses tomber. Bon, un tapis, c'est un peu compliqué, mais tu laisses tremper, il n'y aura plus l'odeur. Ou si tu transpires facilement comme moi et que l'odeur s'imbibe dans tes vêtements et que dès que tu vas le porter, tu vas chauffer un peu le vêtement, tu vas plus la transpiration, je te conseille de mettre ça sur tes vêtements, genre une trentaine de minutes. Moi, je le mets dans un pulvérisateur, tchic, 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 quand le vêtement va aller au sale, tu vois. Pchip, 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 une vingtaine de minutes, ensuite je fais laver. Et cette odeur de transpiration dès que ça chauffe, part, et ça c'est plutôt bien, franchement. C'est, par contre, faut le faire dès le début, hein. Dès le début, parce qu'une fois que c'est imprégné, j'ai l'impression que c'est foutu, mais ça s'atténue un petit peu. Mais voilà, j'ai pris une grosse pizza, regardez-moi comment elle gêne, elle là. Une grosse pizza comme ceci, c'est la pizza de Monosque. Je sais pas comment on dit. Donc une grosse pizza comme ceci. Et ce que j'ai oublié de vous dire, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en bas, juste là. Ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Et ça me pousse tous les jours à parler un petit peu plus fort. Ou pas. On continue les gars. Encore de l'eau comme ceci. De l'eau de montagne d'Auvergne. Un gros pack. Oh, c'est lourd. Un gros pack d'Avit 5. De la tourtelle comme ceci, de la tourtelle twist. Alors, les canettes que j'ai pris, c'est pour mes collègues de taf. J'ai pris également du coca. Par contre, il n'y avait plus de Cherry Coke. Je t'ai dégoûté, j'ai commandé du Cherry Coke. Il n'y en avait plus, je sais pas. Oui, après, tu me diras si quelqu'un achète le dernier Cherry Coke, c'est normal. Non, je sais pas comment tu fais. Comment c'est possible que tu vois le truc sur le site et qu'au final, il n'y ait plus. Je trouve ça chiant. La dame qui était avant moi, il y avait genre 10 articles qu'il n'y avait plus. Enfin, c'était relou. Du Perrier comme ceci, une petite canette de Perrier. Par contre, les canettes, ça vaut tellement cher, c'est relou. Des Belvita comme ceci, un pack de 4. Je suis super contente parce que ça, je kiffe. Trempé dans le café que j'ai acheté, c'est juste excellent. J'en mange tous les matins deux sachets. De l'alcool, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour mon mec, de la Zubloska blanche. Par contre, c'est con, ils m'ont mis le... Ils m'ont gardé le... Bon, je vais pouvoir l'enlever, tu vois, mais c'est un peu con. Ils ont carrément oublié d'enlever l'antivol. Ils m'ont pris pour une voleuse. Je vais les voler.
Je pense que je peux l'enlever et puis à l'occasion je la laisserai dans ma voiture et puis à l'occasion je leur ramènerai. Mais voilà, j'ai un antivol qui va avec. Voilà, c'était le même prix. De la Volvic citron comme ceci parce que frais, ça peut être plutôt pas mal aussi. Ensuite j'ai des petits paniers. Des petits paniers sympas. Un petit brocoli. Il est vraiment tout petit. Petit brocoli des familles. Hop, j'ai pris de l'aneth. Ça sent super bon. Je pense que je kiffe de ouf l'aneth. Bah, je crois qu'il y en a beaucoup. Tu vois, j'aimerais bien avoir un demi-bouquet. Ça m'irait largement. Et voilà, j'ai pris de l'aneth. Ça sent tellement bon. Franchement, l'aneth, c'est la vie. Hop, alors, quelques fruits et légumes, sachant que c'était passé à grand frais. Là, on a des carottes. Comme ceci, des petites carottes. Je vais mettre mon aneth dessus parce que Aneth elle est bien gentille, mais elle en fout partout, la coquine. Des petites tomates, mais elles sont vraiment petites. C'est dur, franchement, sur le drive, c'est super dur de se rendre compte de la grosseur des choses. Et j'ai un autre petit panier, très sympa. Et cette fois, il y a de la papaye à l'intérieur. De la papaye. Hop, on a... C'est chiant par contre, hein, parce que... Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Des courgettes comme ceci et... Des avocats. Hop. Ils sont tout petits. Hein. Ils n'étaient pas trop... Si, ils étaient chers. C'était presque 1 euro l'avocat. Mais voilà. Des petits avocats, les familles. Comme d'habitude, j'ai fait n'importe quoi. J'avais oublié que j'avais du congelé. Je l'ouvre en dernier. Mais c'est pas grave. Il est dans un sac spécial. Donc, c'est assez cool. Des carottes râpées comme ceci à la ciboulette de Pierre Martinez. C'est toujours un succès. Donc, des petites... hop, des petites carottes hachées. De la feta salakis au bon et de brebis. Herbe de Provence. Ça, je te le dis. Même nature avec la ciboulette et des tomates. C'est trop bibi, je crois pas que je fasse tomber. Beaucoup de yaourts encore. Des petits suisses comme ceci pour mon mec ou pour les enfants. Pour mon mec à moi qui adore le chocolat, vous savez que les liégeois, c'est ses yaourts préférés. Donc du coup, je l'ai pris. Et puis avec les liégeois yaourts préférés, je me suis laissé tenter par des petites Maminova. Ok, j'ai tout fait. Maminova comme ceci, mousse au chocolat. J'ai pris ça et franchement c'est cool, je te conseille d'en avoir toujours dans ton frigo. Alors j'ai pas fait gaffe, je vous avais dit, j'avais la tête comme ça, c'était pas évident ce matin. Mais de la ciboulette comme ceci en mode congelé, donc ça c'est plutôt pas mal si t'en as pas de la fraîche. Moi j'ai rarement de la ciboulette fraîche. Des petits dés de saumon fumé marinés à la ciboulette et au persil, franchement ça a l'air juste trop bon. 3 euros le bordel, mais ça a l'air juste super bon. Alors bien sûr, tu peux te le faire toi-même. Hein. T'achètes un dé de saumon, tu le fais un peu mariner avec un petit peu d'huile, de la ciboulette, des machins, même de l'aneth. Ça peut être plutôt pas mal. Mes enfants kiffent les flambis, comme ceci. La dernière fois, on s'amusait à faire un gobage de flambis. C'est moi. C'est moi qui ai gagné. Donc des flambis comme ça. Hop, rayon congelé, des glaces extrêmes. Saveur vanille comme ceci. J'ai pris des mini magnums comme ceci pour les enfants ou pour mon chéri. De la glace au chocolat et de la glace à la vanille de la marque Carte d'Or. Ensuite, des appareils cubes. Alors, il y avait toujours le délire, ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait pas mal de bons plans. On va dire pas des réductions, mais des bons plans parce que tu vas pas forcément acheter... Après du coup oui c'est un peu de la surconsommation et tout. Bref, on n'est pas là pour être ça, mais j'ai pris des apéricubes, il y en a, t'en as acheté 3, t'en payais que 2. Donc voilà, des apéricubes. Ailes fines herbes, bleu, chorizo, poulet grillé. Emmental fines herbes, jambon cru. Il est marrant celui-là. Grande chasse au cube mystère. Ok si tu veux. Et l'autre c'est quoi? C'est ailes fines herbes, 3 fromages, chèvre et saumon. Mon saumon, mon préféré. Je vous avais dit qu'il y avait un chocolat que j'aimais trop, c'est celui-là. Et là il y avait moins 66% sur le deuxième. Donc j'ai fait vas-y on y va, on en prend 4. C'est le de Nescafé, le café viennois. Franchement je l'adore aussi. Bien frais. Des fois je me fais un gros shaker. Je crois qu'il y a 500 ml avec des glaçons et tout. J'aime trop. Le vanille je l'aime un peu moins. Mais chaud ou froid c'est très très bon. Avec les petits lus. Avec tes petits lus c'est une tuerie. Ah j'ai chaud. J'ai pris des petites nouilles sautées comme ceci au poulet. Ça c'est congelé. Et pour aller avec je me suis dit pourquoi pas, on va se faire un petit sucre asiatique. J'ai pris des nems comme ceci. Vous en avez 8 à l'intérieur. Hop, les petits nems de la marque Carrefour. Ensuite de la feta salakis au bolet de brebis. Mais j'ai vraiment pas pris assez de tomates. Pas du tout assez de tomates. Mais c'est pas grave, j'en rachèterai des... Parce qu'on doit faire, on doit inviter des potes bientôt et faire une grosse salade de tomates. Mais il y a beaucoup de salakis, il n'y a pas beaucoup de tomates. Des crèmes au chocolat comme ceci, un peu comme les danettes. Du
saumon comme ceci, pareil, le saumon, t'avais 2 pour 3 pour le prix de 2, mais j'allais pas, déjà ça coûte cher le saumon, faut pas déconner, tu vois. La berry, et puis je pense pas que le saumon, dites-moi si le saumon ça se. Comment dire, ça se congèle, mais je ne pense pas. Je pense pas que ce soit très très bon le saumon congelé. Du jambon comme ceci, hop, de la marque Herta, j'en ai pris un seul sachet. Hop, de la. Encore des Maminova, celle-là à la vanille, très très bon, pareil avec le petit kiwi. Le petit kiwi, famille, ça va bien. Oh, j'ai tellement pris trop de yaourt, mais comme d'habitude, je vous rassure, il n'y a rien qui est jeté. Tout est consommé. Quand tu vois que c'est en date limite, on congèle. Et les yaourts, même un mois après, moi je les mange, j'ai aucun souci. Hop, donc des yaourts comme ceci, Yoplait estampillé, pas de patrouille. Une petite salade de concombre au fromage blanc et à la ciboulette. De la tuerie, ça c'est très très bon. Oh, mais pourquoi j'ai pris ça? Des fromages. Ah, je crois qu'il y a des sucs que je voulais enlever, mais j'ai carrément zappé de les enlever. Des fromages blancs comme ça, ça sera mangé aussi. Ça c'est de la balle. C'est Madeleine là au chocolat de la marque La Maison Colibri. Elles sont pas données. C'est presque 1 euro. Non, c'est pas 1 euro la Madeleine, c'est 50 centimes la Madeleine. Mais franchement, elles sont super bonnes avec une coque de chocolat. C'est excellent. Du pain Harris comme ceci, 100% mis avec aucune croûte, et j'avais envie de tester ce petit truc là. Alors apparemment c'est un savon liquide, enfin c'est un savon liquide à la barbe à papa. Il existait aussi le savon liquide, mais celle-là c'était pomme d'amour, je me suis dit pourquoi pas. Et apparemment ce qu'ils disent, je vous en parlerai dans mes vlogs, mais apparemment ils disent que c'est l'équivalent de deux Dop classiques. Oh il est trop mignon, regardez-moi la mignonise, il est pas trop chou? Ça sent trop bon. Et c'est estampillé Dop derrière. Ça sent trop bon. Je kiffe de ouf. Ah, c'est super sympa. C'est bien qu'ils fassent ça. Et le seul qu'il y avait d'autre, c'était Barba Papa. Ça sent super bon. Tu sais, limite, t'as envie de le garder, le mettre. Je vais tester, je vais voir ce que ça peut donner. Le mettre à côté de ton linge pour voir si ça diffuse bien. Et franchement, je comprends pas pourquoi Dop, il se lance pas dans des parfums d'ambiance, parfums de maison. Franchement, ça marcherait de ouf, je pense. Ça pourrait le faire. Et voilà, la. Cette vidéo elle est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous intéresse, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder cette vidéo là qui est un haul action. Je fais pas mal de haul action aussi. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.